Hello, coucou, j'espère que vous m'entendez bien. Je mets mon micro ici à ma hauteur. Comment ça va? Vous passez un bon samedi? Moi, je me suis dit, je vais me connecter ici dans le groupe au lieu de partager une vidéo que je viens de faire sur ma page parce que vous êtes quand même déjà, comment dire, vous me connaissez déjà, vous avez déjà entendu ou vu mes différentes vidéos. Et je voulais en faire une aujourd'hui. Tu sais, quand je fais une vidéo sur Facebook Live, c'est souvent quelque chose qui, une réflexion que je me fais, que j'ai absolument besoin et envie de partager ici avec ce groupe, que vous êtes tous des entrepreneuses, vous avez un business ou une idée de business et vous êtes à des différentes stades de votre évolution. Quand vous avez postulé pour venir ici dans le groupe, j'ai lu ce que vous avez écrit. Et franchement, je sais que tout le monde n'est pas actif, tout le monde ne va pas voir ma vidéo, mais vous avez des projets qui sont totalement enthousiasmants et des choses en or, que j'ai moi envie de vous aider à porter ça au monde. Parce que c'est quelque chose dont le monde a besoin. Si toi tu es ici dans mon groupe, tu es quelqu'un de vraiment précieux et de spécial pour moi. Et je parle avec beaucoup de femmes, et je suis maintenant des femmes dans le coaching pour un business coaching où on va apprendre comment on met les choses en place pour être visible, etc. Mais je parle aussi avec beaucoup de femmes qui viennent chez moi parce qu'elles sont totalement à bout. À bout de tout est bien trop lourd, tout est trop compliqué, elles n'ont plus le courage, elles se sont battues jusqu'ici et boum, là, c'est comme si là, elles ne peuvent pas aller plus loin. Tu sais certainement que cette brillance vers laquelle tu vas, c'est quelque chose qui peut être effrayant. De commencer à se dire, oui, je vais faire ce pas et d'être totalement visible, c'est quelque chose qui est très bizarrement effrayant, ça ne devrait pas l'être, mais je le comprends très bien. Moi, en tant que danseuse de danse orientale, quand je devais aller sur scène et danser, même si j'avais fait ma chorégraphie, je ne sais pas combien, je la connaissais tellement par cœur, mais là, tout d'un coup, j'allais la montrer à tout le monde. Et même si ça allait être magnifique, un costume et tout, c'était effrayant, c'était effrayant. Jusqu'au moment où tu es là dehors sur scène et tu te rends compte que les gens sont touchés, tu te rends compte qu'à la fin ils t'applaudissent et que tu as enrichi leur vie de quelque chose. Mais jusqu'à ce moment-là, c'est un peu comme on te rissolait, c'est dans une, je dis toujours, on me rissole. Et c'est comme ça et c'est normal. Et donc en fait, c'est un signe quand il y a ces peurs qui arrivent ou quand ça commence à être super lourd, c'est un signe que tu es en train de grandir et c'est là que tu ne dois pas abandonner. Donc, ce que tu fais à ce moment-là, quand ça devient lourd et ça n'avance pas, alors il y a des techniques à apprendre pour rentrer dans cette magie. Tu sais, j'ai ce cours, La magie d'être une femme, et ce cours, il n'existe pas pour rien. Parce que tu ne peux pas avoir un business magique si toi, t'es pas magique. Toi et ton business, vous faites qu'une seule entité, même si c'est comme ton bébé ou quelque chose. Mais si toi, tu es dans un état déprimé, dans un état sans force, dans un état pas en bonne santé, à ce moment-là, tu n'as pas de business. Parce que personne ne va vouloir travailler avec toi si tu traînes la patte comme ça. Tu te mets devant une vidéo comme ça. Attends, je te fais un peu la démonstration là. Hop. Oui, je te fais la démonstration. Oui, voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de mon cours, La magie d'être une femme. Je pense que c'est quelque chose de... Ouais, je crois que c'est pas mal en fait. Ouais. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Ça ne fonctionne pas, évidemment. Toi, tu dois être la première personne enthousiaste et totalement allumé avec cette force. Et ça, c'est la magie, la magie, la magie d'être une femme. Tu as ça. Tu as ça au fond de toi. Mais peut-être que tu ne le pratiques pas. Peut-être que tu sais tout ce qu'il faut faire. Tu as appris 36 000 choses. Mais est-ce que tu le pratiques? Intéressant cette question. Est-ce que tu le mets en œuvre? Moi, ici, dans le groupe, je partage avec vous, une fois par semaine, le genre de pratique que vous pouvez faire. Mais est-ce que tu le pratiques? C'est là que c'est intéressant, la question. J'ai créé ce cours parce que d'une semaine à une autre, on évolue et on navigue ensemble dans une sororité et on participe dans le groupe Facebook. Et on va se mettre dans cette énergie, on va pratiquer les choses et on va se voir avancer. Et tu vas voir l'influence que ça a sur ton business. Si tu te mets dans cette magie, si tu commences à avoir les synchronicités et tu comprends comment ça fonctionne, de faire ce nettoyage intérieur et d'allumer cette flamme.
à ce moment-là, ça va avoir une de ces influences sur ton business, sur ton enthousiasme, sur ta capacité de te lancer, ta capacité d'aller là dire « Yes, mais moi, je vais faire ce que je vais faire. » La fin de l'année n'est pas loin. Et tu vas rater ça? J'espère que non. Donc, j'ai choisi ce moment pour donner mon cours « La magie d'être une femme » la dernière fois cette année et telle qu'elle la dernière fois aussi. Parce que ce cours va être, et je l'ai déjà dit, peut-être tu ne l'as pas entendu, il va être intégré dans un cheminement beaucoup plus long parce que je me rends compte que j'ai vraiment envie de accompagner les femmes sur ce chemin et leur donner plus de temps. Mais ici, c'est un peu intensif. Donc, 4 semaines pour rentrer de plus en plus en plus avec une légèreté, avec une approche ludique, ouais, mais rentrer dans cette magie. Et cette magie, la nourrir par une pratique, avec une sororité. Et ça, utiliser ça, le Black Friday, il arrive, le mois de décembre n'est pas loin, de déjà savoir, yes, yes, je me engage à cette magie à l'intérieur pour pouvoir la voir à l'extérieur et avoir des clients qui me trouvent comme par magie, avoir des contrats ou des choses comme ça qui m'arrivent comme par magie parce que je suis alignée à quelque chose. Et je ne suis plus seule dans cette histoire de travailler, de porter au monde, de répondre à un appel de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, je peux te garantir que cette magie, la magie consiste à vraiment s'aligner, être là, faire ce qu'il faut faire, travailler, hein, si tu tombes tes pouces, tu oublies, travailler, même activement dans ton corps, sentir que j'ai une légèreté ici, je suis enracinée, je peux avoir, sentir ma force, je peux avoir mes mains qui sont un peu le symbole peut-être d'une légèreté, mes mains qui sont magiques, où il y a des points d'énergie, toutes ces choses-là, même si tu sais ça. C'est important, important de pratiquer encore et encore et encore et se lancer là-dedans. Et à ce moment-là, tu débloques toutes ces choses. Tu débloques les peurs parce que tu vas, au lieu d'avoir peur, te concentrer sur la magie qui va rayonner. Je vais t'enseigner, par exemple, je te donne un exemple très simple. Par exemple, si tu veux aller parler en public sur Facebook ou sur Instagram ou même en public, proprement dit, devant un public. Un des trucs pour ne pas avoir peur, c'est comment est-ce que tu te tiens, comment tu t'alignes, comment est-ce que tu fais cette connexion hein, pour l'alignement. Là, tu peux par exemple ça ici, cette manière-là, tu ancres tes pieds, là tu t'alignes et tu regardes ta colonne comment est alignée. Après, tu peux faire quelque chose qui est ludique. Tu vas te mettre comme ça ici. Et on a fait ça au cours jeudi. Tu vas dessiner des 8. Et tu t'imagines, il y a un faisceau lumineux qui sort et qui dessine ce 8 sur, par exemple, le mur. Ou sur des personnes. Ou sur... après, tu peux mettre des couleurs. Et tu t'imagines en train de peindre. Tu peux même peindre le sol. Et tu t'imagines tout ça. Et tu mets une chouette musique, oui. Et tu fais ça. Et tu vas voir que tu vas avoir un de ces sourires. Parce que, bien sûr, si tu vas multicolore, tout va devenir complètement lumineux, multicolore. Rien que par cette imagination. Et c'est tes cellules de ton corps qui vont se mettre à bouger et à sentir ça. C'est cette légèreté qui va rentrer dans ton être. Hein. Tu peux même faire tapoter ici pour te dire, ok, je laisse tomber tout le poids que j'ai. Ici, dans le dos, mon passé, et je le laisse un peu partir, juste pour le moment, je me le permets, je le laisse partir pour quelques minutes, et là tu vas aller là-dehors, et tu vas parler de ta passion, parce que je sais que tu sais plein de choses, et je sais que cette passion est là, sinon tu ne serais pas dans le groupe. Mais c'est quand même assez d'être, de se sentir lourd, de ne pas aller briller, ça, c'est fini quand même, on en a quand même marre, on veut te voir dans le groupe, et on veut te voir dehors, partager ce que tu sais faire, et pas dans 3 ans. Maintenant, c'est le bon moment. Donc, je t'invite à travailler sur cette magie, à la nourrir, à l'honorer et à en créer une pratique pour que tu puisses vraiment venir de ton cœur porter dans le monde ce que toi t'as apporté. Briller ta lumière. Le monde, il en a besoin. T'as vu comment il devient noir, le monde? Tu as vu ça? Je pense que si tu es dans mon groupe, c'est pas pour rien, c'est pas parce que tu vas te dire ça, je m'en fous de tout ça, c'est mon ego ici, je veux juste devenir riche. Oublie, je pense pas que tu es là pour ça. En tous les cas, si tu es dans le groupe, c'est sûr que non. Donc ta lumière, elle manque. Tu vois les pièces quand ils sont très très noires, chaque bougie qu'on allume, une bougie qui allume une autre, qu'est-ce que ça devient beau à la fin?
Et c'est ça qu'on est en train de faire avec le monde. S'il faut le sauver, c'est maintenant. Là, je pense que tu fais partie de cette histoire. Et donc, puisque tu fais partie de cette histoire, nourrir cette magie est vraiment primordial. Et c'est pour ça que ce cours existe. Quand je l'ai créé, je ne me rendais pas compte de ce que je créais. Quand cette intuition est venue, je ne me rendais pas compte de la puissance. Mais c'est puissant, ce cours est puissant. Et je t'invite. Je t'invite, toi, à participer, faire partie du groupe, faire partie de cette sororité. Le cours est ouvert, les portes sont ouvertes jusqu'à lundi. Oui, j'ai prolongé. J'ai prolongé parce que moi, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, d'en parler, de faire les publicités. Je n'avais pas envie. Et je ne sais pas moi. Je fais ça intuitivement. Et la semaine dernière, la semaine d'avant, il y avait quelque chose qui, je ne sais pas, ils disent Mercure rétrograde. Je ne sais pas comment tu vas appeler ça, mec. Tout le monde autour de moi était soit malade, moi pas malade, mais il y avait quelque chose où ça ne voulait pas démarrer. Et donc, voilà, ben, je le fais maintenant. Et certainement, pour toi, peut-être c'est le meilleur moment aussi. Voilà, ça c'est, je vais remettre le lien et si tu peux regarder, si tu as besoin de parler avec moi, parle avec moi. Ne rate pas le cours. On a commencé déjà, les portes sont ouvertes, tu peux tout de suite t'inscrire, tout de suite commencer à papoter et à faire connaissance avec les gens dans le groupe. Mais jusqu'à lundi, tu as le temps de t'y inscrire. Et ce dimanche-ci, je redonne le workshop sur les 5 piliers de la confiance en soi. C'est quelque part sur le chemin pour comprendre pourquoi tu as besoin de cette magie et comment ça fonctionne. C'est une transition tout à fait logique. Et dans ce workshop que je te recommande vivement, tu vas aussi, je présente vraiment le cours avec les modules et tout. Et si j'avais envie de te montrer un peu comment on y travaille et te dire tout ça. Donc voilà, j'espère que tu vas pouvoir écouter ma vidéo. Je vais l'envoyer par email. Je me réjouis de lire tes commentaires. Toutes celles qui ont participé, ben, mettez les commentaires. Tu en as déjà certainement vu. C'est important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, jette un coup d'œil. Bonne journée à tout le monde.